monsieur pas gagné aucune photo disponible sur internet qui sont bagay ki rare qui montre dans quel niveau que monsieur c'est peut-être un très gros agent que lié. Akinjel Pretel, selon révélation média Univision, t'es trouvé dans pays Bolivie en octobre 2020, la veille élection qui t'a pral fait pour te remplacer Evo Morales qui t'est perdu du pouvoir novembre 2019 après l'armée t'est fin déclaré qui n'est pas capable de protéger le président. Mais c'est n'est qui impliqué dans la mort Jovenel Moïse, qui était impliqué dans faire perdre du pouvoir. Akinjel Pretel, tu as négocié avec ministre défense à l'époque là, mais ça n'a pas réglé grand chose puisque finalement, même parti Evo Morales là, qui était perdu du pouvoir en 2019, vient regagner l'élection encore. Pour Evo Morales, c'est parti opposant lui dans le pays la Bolivie, qui était comploté avec certains éléments dans l'assassinat Jovenel Moïse actuellement, qui était travaillé pour Américains, qui trouvait Jovenel Moïse aujourd'hui. Pour nous bien comprendre, l'histoire que je vais raconter nous là, faut qu'on fasse une mise en contexte avec nous. Nous avons regardé dans l'écran ça, il est Evo Morales. Il est ancien président pays, la Bolivie. Jusqu'à novembre 2019, dans la date que le 10 novembre 2019, monsieur annoncé démissionne comme président de la Bolivie parce que la police avec l'armée dans le pays déclarait que il n'est pas capable de faire la sécurité, monsieur obligé de démissionner. Evo Morales qui fait un tweet concernant l'homme Jovenel Moïse que je vais partager avec nous. Faut nous comprendre côté de la sortie pour nous comprendre et côté de arriver avec nous. Mais qui sa tweet et ancien président Evo Morales l'a dit. Alors que certains médias, pas tous, ni le coup, et défendent les putschistes, la presse internationale révèle de nouvelles données confirmant les liens entre la droite bolivienne et les mercenaires internationaux impliqués dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Président bolivien dit que licité enquête que Univision fait pour montrer que ça qui est arrivé en 2019, elle était perdue du pouvoir. Mais c'est n'est qui impliqué dans la mort Jovenel Moïse, gien là-dedans qui était impliqué dans faire perdre du pouvoir. On a l'article là. Depuis l'assassinat de Jovenel Moïse, nous entendons. Nous entendons parler de Akinjel Pretel. Akinjel Pretel, c'est un responsable compagnie CTU dans Miami qui était engagé plus fort presque tout dans ancien militaire colombien qui impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Akinjel Pretel, c'est un ancien informateur FBI. Il y a un document officiel qui montre ça. Il y a une information qui dit tout que Akinjel Pretel travaille pour DEA vers l'année 90. L'été gagné bataille, lutte anti-drogue que DEA a mené dans le pays Colombie. Akinjel Pretel, c'est un Colombien. Mais qui gagne plusieurs identités. Akinjel Pretel, vraie identité que Messénaire Colombien connaît, c'est Gabriel Pérez. Akinjel Pretel, c'est une deuxième identité. Article et Univision relé. Qui est le mystérieux Akinjel Pretel et pourquoi a-t-il disparu après l'assassinat en Haïti? Akinjel Pretel, selon révélation média Univision, t'es trouvé dans le pays Bolivie en octobre 2020, la veille élection qui t'a pral fait pour te remplacer Evo Morales qui t'est perdu du pouvoir. En octobre, novembre 2019, après l'armée t'est fin déclaré qu'il n'est pas capable de protéger le président. Akinjel Pretel, t'as négocié avec ministre défense à l'époque là, mais ça n'a pas réglé grand chose puisque finalement, même parti Evo Morales là, qui t'est perdu pouvoir en 2019, vient regagner l'élection encore. D'ailleurs, ministre défense ça, t'es risqué prendre prison parce que il y a une accusation comme monde qui était impliqué dans un coup d'État contre Evo Morales. Akinjel Pretel a rencontré un contact qui est ministre de défense Bolivie en 2020, qui était impliqué dans faire l'armée, pas protéger le président, qui forcer le président à quitter le pouvoir. Ministre de défense la Bolivie, qui a une accusation, complot, coup d'État contre le président Evo Morales Soudol, il était rencontré avec Akinjel Pretel, un ancien informateur États-Unis. Article n'a pas accusé États-Unis. Article n'a pas dit que États-Unis touye Jovenel Moïse. Ou bien voyez touye Jovenel Moïse.
Mais l'article a dit que c'est une bagaille pour nous intéresser avec l'empile. Pour qui ça, Archangel Pretel disparaît sans pas jamais gagner aucun avis de recherche ni aucun mandat international de elle, alors que c'est lui-même qui était engagé, tout Colombien ça y est, qui impliquait d'une façon ou d'une autre dans tout le président haïtien. D'ailleurs, gagner deux dans trois Colombiens qui mourent Haïti, c'est eux deux qui était principal pont entre Archangel Pretel et mercenaires. Deux Colombiens ça y est, la police Haïti exécuté. On a regardé photo ça. Selon enquête Univision, Archangel Pretel, qui c'est deuxième nom, qui c'est nom lié les États-Unis, alors que l'El Colombie et dans le pays, le Gabriel Pérez, monsieur pas gagné aucune photo disponible sur Internet qui sont bagaille qui rare, qui montre dans quel niveau que monsieur c'est peut-être un très gros agent que lié. Ou bien tout, c'est un témoin sous protection. Archangel Pretel gagne green photo ça, que journal, que média Univision publié, c'est une photo que le fait, pendant que mes photos à la Noël, il y a 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui sont à côté d'un avion, d'une diète privée. Deuxième monde, de gauche vers la droite, c'est Christian Emmanuel Sanon. Monsieur est en prison et il a été tenté au début de faire passer pour cerveau et assassinat de Louisa, mais ça va qu'il y a. Deuxième monde qui est à côté de Sanon, l'irélé Archangel Pretel, il a une chemise rose. Mon qui a une chemise bleue en bas vers avec lunettes noires qui bon côté là, c'est Antonio Entriago. Antonio Entriago, c'est lui-même qui principal qui met compagnie CTU Miami. Archangel Pretel, c'est un associé monsieur lié. Mais un associé qui pas trop longtemps depuis il fait partie de compagnie ça. Photo ça mesdames messieurs, c'est green photo qui existait sur internet côté que nous capable voir, pas même trop bien même visage Archangel Pretel avec chemise rose ça en bas veste bleu marin. Yo t'a pral entrer en Haïti nan vol ça. Yo t'a pral entrer en Haïti selon information que c'est première fois en tout cas officiellement que Archangel Pretel t'a pral entrer en Haïti. Nan cadre yon mission, yon contrat que Christian Emmanuel Sanon bayo pour te vinn sécuriser en question de installation et compagnie t'a pral venir en Haïti mais c'est ton contrat de sécurité. Entriago qui chemise bleue qui se met compagnie fait connait que li pas jamais connait associé Archangel Pretel té gon l'autre identité dans pays Colombie qui relé Gabriel Pérez et que à aucun moment li pas jamais connait question de ni à l'arrêter ni à touyer Jovenel Moïse c'est un bagaille que associé Archangel Pretel qui apparemment c'est un agent infiltré monté dans dol sans pas jamais connait monsieur dit débarqué Haïti n'a pas de Entriago li débarqué Haïti dans cadre on visite inspection sous contrat initial qu'il te gagne avec Emmanuel Sanon. Entriago qui a chemise bleue, à KO en bas, vers avec lunettes noires, lui dit qu'il arrive en Haïti, lui a dans l'ambassade américaine pour la faire connaître, pour la dire à l'ambassade américaine que lui présent dans le pays, joue ça, ambassade américaine, pas trop sur voile parce qu'il n'a pas de rendez-vous. Est-ce que pays États-Unis gagne un bagaille de près ou de loin pour avec l'amour Jovenel Moïse? Evo Morales, râler article ça enquête ça que Univision menait pour montrer que même moun qui était impliqué dans comploté avec ministre défense à l'époque pour te faire perdre du pouvoir et bien mais c'est moun ça qui est impliqué dans assassinat Jovenel Moïse et moun ça c'est un employé américain li. Mais encore une fois dans même enquête ça que Univision menait li important pour me préciser ça ni FBI ni DIA aucun officiel américain pas réagi sinon que yon ancien responsable DEA qui fait qu'on est que ça arrive souvent que yon perdu contrôle informateur yon moun kap collaborer avec yon moun qui collabore avec yon comme informateur dans cas d'enquête sous couverture FBI DEA etc yon souvent selon sa ancien responsable DEA ça dit profiter de position de relation yon avec agence fédérale américaine yon pour régler causé par yon sans que le pas dit que c'est ça qui arrivait dans le dossier ça. Mais, médias mexicains dit il y a plusieurs hypothèses dans la disparition d'Archangel Pretel. Un, soit c'est un fugitif tout bon vrai, et que personne n'a pas compris de lié, ou bien l'essayer de protéger le gouvernement américain. Pour qui ça, un monde qui s'y important dans le dossier à tout mercenaire de sélecteur engagé, Christian Emmanuel Sanon, parler de lui comme moun que il était engagé dans la CTU, pas aucun avis de recherche, pas aucun mandat
sous nom Akenzel Pretel ou bien sous une identité lui, puisque dans le pays la Colombie, monsieur, il est Gabriel Pérez.